Bien le bonjour les amis, c'est Loïc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, je vous prends quelques secondes avant que la vidéo commence pour vous dire qu'il ne reste plus que 5 jours pour participer au concours avec Roof. Du coup voilà, tentez de remporter un Roof directement sur mon Instagram. La page Instagram c'est Léo-BGL. Eh, c'est quand même mieux que le circuit d'allumé hein. Pour les connaisseurs, dites-moi si vous avez reconnu c'est quel circuit en commentaire. Les amis voilà, n'hésitez pas à aller participer au concours avec Roof, à profiter de mes réductions chez mes partenaires 50 Factory, vous avez moins 5%, code Léonade et le lien est en description, et chez Maxes, code Léo15. Bon les amis, petite vidéo où vous allez voir, j'échange ma petite CRF chérie contre une petite Yamaha et on va voir un petit peu comment ça se passe, comment ça se traîne, qui est le plus rapide au freinage, tout ça tout ça. Vous allez voir ça dans cette vidéo, petite vidéo chill, on se prend vraiment pas la tête, les vidéos de qualité reviennent très très bientôt. Le permis moto, j'en dis trop. Les amis, n'hésitez pas à me dire le type de vidéo que vous souhaiteriez voir en commentaire si vous voulez que j'achète un véhicule en particulier ou que je fasse un petit swap sur un véhicule en particulier. Voilà, on peut s'amuser entre nous, il n'y a plus de tabou. Les amis, c'était Léo, je vous souhaite une bonne journée. Salut les mecs, ciao. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. On arrive dans les parties pas coupées là. Bon les mecs, aujourd'hui on se retrouve avec la CRF, le jeune bolide miteux et la Yamaha devant. On va vous faire le test tant attendu hein. Bon les amis, si vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à un petit pouce bleu. Oh la tête. Le casque est pas du tout adapté à la pratique. Aujourd'hui on est à la campagne les mecs. Avec le 110. On va voir ce que ça donne hein. J'espère que le micro il est bon parce que du coup je suis sur le casque cross. Il n'y a pas de visière. TTR 90. C'est le combat là. Oh, ça pétarade et tout, c'est trop drôle. Oh putain, c'est dégueulasse. Avec des petites motos. Bah il est où le loustic? On a perdu un collègue à la guerre. Bon j'espère que le micro y est bon les mecs. S'il est bon n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Moi je le verrai au montage. Mais si vous avez des améliorations à faire, je suis avec le casque cross sans masque. J'ai loupé la chute. Ça va, t'as rien? Juste derrière toi. Ah ouais? En fait je m'aurais glissé derrière. Ah oui du coup hop. Et ça va, t'as rien? Non moi je me suis rattrapé du coup. Et la moto allez hop. C'est vrai qu'elle est plus basse. Donc après c'est plus drôle. Ah mais il fait quand même chaud hein. Une petite sortie comme ça d'été. Moi c'est enfin les vacances. Moi je kiffe ça. C'est. Moi j'habite pas à la campagne. Donc j'ai pas comme là c'est des étendues de champs, des étendues de prairies. C'est trop bien et puis là on fait chier personne. Puis là on roule à deux, c'est trop drôle. Petit coucher de soleil en plus. Puis la CRF elle marche, elle dit rien hein, elle carbure la CRF. Et donc là on a le concurrent un peu on va dire, même s'ils ont arrêté la production. Donc c'est pas vraiment comparable, mais si vous voulez vraiment qu'on fasse un test vitesse, poids, tout ça. Parce que pour vous voyez un peu ce qui est mieux à prendre. Après je crois que le cadre est plus petit quand même. Mais c'est à voir parce que là moi je suis passé en guidon rehaussé comme vous l'avez vu au Le Pierre Mécano de France frérot. Que vous avez kiffé, je vous remercie d'ailleurs. Et regardez ça fait que dalle de bruit. On va faire des symphonies avec ça. Quelle année toi? 2007. Putain ouais. Elle a priorité. Oh, oh, oh.
Là on est déjà en train de commencer la prépa. Enfin, là vous voyez que dalle, mais au fur et à mesure des épisodes, on va faire une prépa esthétique. Je pense pas direct une prépa moteur, mais plus de l'esthétique avant. Elle s'envoie quand même hein, pour une 90 les mecs. Je vous jure, c'est trop drôle, en plus elle pétarade. Oh putain, comment ça glisse. On va essayer de pas manger le pont. Oh, j'espère qu'il n'y a pas un trou hein. J'ai que le frein arrière de régler, donc s'il faut freiner, ça va être drôle. Oh putain, je suis pas passé loin de me manger. Avec les vaches. Énorme ça. Les mecs, dites-moi si vous voulez une série. J'essaye de lever avec la CRF. Genre, je sais pas. Je vais sur des endroits d'herbe. Ah ouais, là frérot, t'arrives à fond. T'enlèves toute l'herbe. Ça peut être drôle, hein. Oh là, si j'ai pas les freins, c'est la merde. Oh, un petit chat. Bon les mecs, faites pas comme nous hein, pas de cross bitume, c'est interdit. Et en plus ça défonce les pneus donc ça sert à rien. Mais là on essaye de trouver un petit chemin là pour faire des petites accélérations assez sympas. Oh l'herbe elle est pas taillée ici. Bah là mon chef ouais, on va dormir. Je te l'aurais traversé le champ. Bon les amis, c'est presque la fin de la vidéo, parce que déjà il commence à faire noir, et puis nous on va pas tarder hein. Ah merde, j'ai une vitesse. Premier coup de clic. Bah non du coup, c'est quoi, premier coup de clic électrique. Voilà. Eh bah en tout cas, pour ceux qui voulaient savoir si ça marchait, bah je vous rassure que ça marche hein. Y a large de quoi s'amuser les mecs. Mais en vrai on commande pas une vidéo en cross comme si on commentait une vieille... Oh oh oh. Un motovlog hein, avec nos amis de la campagne. Les petites mauvaises herbes, tout ça, ça passe partout, ça fait pas de bruit. C'est quoi ce bordel, ils ont fait quoi au sol? Ça fait peur non? Ouais, ça fait flipper. Je te jure, on dirait qu'il y a un mort, c'est un truc de ouf. Comment ça fait flipper? Et le sol, il fait des trucs bizarres, je vous jure. Mais ouais, fait des petites secousses. Mais regardez. Oh le truc de... Mais c'est... Qu'est-ce qui se passe? Ils ont fait quoi au sol? Ils sont passés avec une machine spéciale. Bon les amis, à tout moment la vidéo elle se coupe. En tout cas j'espère que vous avez passé une bonne vidéo. Demain je vais essayer de vous en retourner pour qu'on teste un peu les points positifs, pour refaire une sortie dans les autres chemins. Les chemins différents, c'est le stick frérot. Mais en tout cas voilà, mettez un pouce bleu. Ça me fait grave plaisir de pouvoir faire ce genre de vidéo. C'est grâce à vous si j'ai cette petite bécane les mecs. C'est trop bien. On espère le 4,50 pour comparer 4,50 vs 110. En fait il faut les deux. Tu vas sur le terrain avec le 4,50 et après tu prends le 110 pour t'amuser. Oh là frérot. Là ça a pas blagué. Oh putain, on va arriver fort là. C'est là qu'on voit que ça marche quand même à 110. Oh putain. Oh non! Si je m'étais pas arrêté, je t'aurais fait rat. Je pense que si elle avait 4 vitesses, même avec un moteur de 90, ça se tiendrait. Ouais, ça se dit sans français hein. Oh putain, on arrive à la ferme là frérot. Mais non. Ah non, il y a soi-disant un passage. L'agriculteur frérot, il va sortir un 12, on va rien comprendre. Bah si, c'est un cul-de-sac son bordel. Il y a vu où la route? Ah si, il y a une route.
Mais non, le truc de ouf. Eh, la poste, la première fois qu'elle arrivait là, elle a dû paniquer. Oh putain, il freine fort lui. Ah bah si, c'est encore. Mais non. Bah, les petites vaches là-dedans. C'est un truc de fou comment tout est ouvert. Mais non, il y avait des gros canards. Eh, c'est vraiment la campagne. Hein. Les gens, ils ferment rien. Et là, carrément, on part dans le champ. Ouais, mais on a vu que c'était ouvert, frérot. Ah, mais des à-coups énervés. On va regarder ça, si c'est pas la belle vue, les mecs. Maman, regardez-moi ça. Coucher de soleil et tout, un petit peu plus de soleil, là. C'était nickel. C'est bon, il met les clignotants. I'm just fucking lit, man, I'm just fucking lit. Drink a bottle of this shit, man, bottle of this shit. I'm about to write a hit, man.